Mimi Mati comme vous ne l'avez jamais vu. Ce jeudi 20 avril, l'animateur et star de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, Jean-Luc Reichmann, a partagé auprès de ses fans et de ceux de l'interprète de Joséphine, Ange Gardien, un cliché très inhabituel de la comédienne, pour promouvoir leur collaboration dans la série du premier. L'actrice a en effet été invitée à apparaître dans le cadre de deux épisodes de la saison 10 et on peut dire que cette photo donne le ton de son personnage. Sur la capture, on peut ainsi voir la comédienne, bandeau dans les cheveux et casque audio sur les oreilles, couchée dans son bain à mousse, dans une ambiance qui s'annonce assez cocooning, mais où elle prend un air surpris face à l'objectif du smartphone de son collègue Jean-Luc Reichmann. En légende de la photo, le présentateur des 12 coups de midi a écrit « Nous vous souhaitons une très bonne soirée à tous. C'est ce soir, jeudi 20 avril, note de la rédaction. » Léo Mattei sur TF1 accompagné d'emoji mort de rire. Et pour être sûr que personne ne rate ce cliché, l'animateur est allé jusqu'à le partager dans sa story, accompagné également d'un extrait du tournage où l'on peut entendre Mimi Mati pousser la chansonnette. Un joli coup de pub qui en a sûrement convaincu plus d'un de ne pas manquer cette soirée. Mimi Mati, qui sont les hommes de sa vie? Mimi Mati, quelles sont ses relations avec Jean-Luc Reichmann? Ce n'est pas la première fois que les deux stars collaborent sur un projet de fiction. Avant de venir faire une apparition dans la série de son collègue de TF1, celle qui a récemment fait son retour au sein des Enfoirés avait d'abord reçu deux fois Jean-Luc Reichmann dans sa série, Joséphine Ange Gardien. Le dernier épisode qu'ils ont tourné ensemble avait d'ailleurs été diffusé en décembre 2021. Et lorsque ce n'est pas sur les plateaux de tournage, les deux personnalités de la première chaîne s'apprécient, même loin des caméras. Dans une interview accordée à nos journalistes, l'animateur n'avait eu que des mots doux pour sa camarade, « On est très complice avec Mimi Mati. Elle pourrait être ma grande sœur » avait-il déclaré, ajoutant même que pour lui, elle était la bienveillance à l'état pur. Crédit photo, agence.